Bonjour Monsieur Blandillon. Bonjour Florian. Bonjour Monsieur Blandillon. Bonjour Blandine. On se retrouve pour le deuxième entretien du mois d'octobre 2016, avec comme thème « Main basse sur l'agriculture et sa crise ». Alors première question, quelles sont les causes et les conséquences de la crise agricole ? Les causes et les conséquences de la crise agricole, les causes d'abord, c'est un mot, la mondialisation. La mondialisation qui fait que aujourd'hui on veut créer un marché agricole unique à travers la planète sans tenir compte des spécificités propres à chaque pays et à chaque type de climat. C'est-à-dire que on ne tient pas compte des différences de salaire. On ne tient pas compte des conditions climatiques, mais on considère la planète comme un immense champ, un immense pré. Et en considérant que là où les coûts sont les plus faibles, eh bien, c'est là où les productions doivent se faire, et tant pis pour les autres. Ce processus de mondialisation se retrouve d'ailleurs dans le cours du blé qui est fixé en grande partie, enfin essentiellement à Chicago. C'est un cours mondial qui permet d'établir des transactions pour telle et telle catégorie de blé imposable à l'ensemble du continent et de la planète. Alors évidemment, vous avez des conditions climatiques qui varient d'un pays à l'autre. Si on prend le cas de cette année, en France, les conditions climatiques du printemps ont été assez désastreuses. Il a plu pendant mai, juin, au moment où les blés croissent, il a trop plu. Ensuite, juillet, août a été extrêmement sec, donc des conditions désastreuses. Les récoltes ont diminué de manière très importante. Et conjointement, dans le reste du monde, les récoltes ont été extrêmement importantes. Autrement dit, le prix du blé a diminué. Nos agriculteurs se retrouvent inévitablement en difficulté. Récoltes moindres, de moindre qualité, et avec des prix en baisse. Le calcul est vite fait. Alors, certains nous diront que les céréaliers n'ont pas à se plaindre puisque toutes ces dernières années, ils ont pu faire des bénéfices importants et autres. Certes, mais ça montre quand même la différence, la logique du système. La complexité du marché mondial. Alors, évidemment, on reconnaîtra qu'il est très bien qu'il y ait un marché mondial des céréales dans la mesure où les pays en excédent peuvent en apporter à des pays en déficit et éviter des famines. Bon, là, on ne critiquera pas. Mais ce que l'on critique, c'est le principe de cette mondialisation qui fait que on a enlevé à chaque État la légitimité de produire sur son sol ce dont il a besoin. Vous avez un pays comme la France qui peut produire quasiment tout ce dont il a besoin, sauf, et encore dans certaines limites, les oranges et les citrons. Et aujourd'hui, avec la politique agricole commune, mais ensuite avec la mondialisation, la France aujourd'hui est en grande partie dépendante pour son alimentation de l'étranger. Nous avons notre bétail, qui peut très bien se nourrir des herbes françaises, des produits du sol français, et se retrouve aujourd'hui dépendant pour 70% des tourteaux de soja importés d'Amérique. Alors, la crise de l'agriculture française, de ce point de vue-là, est extrêmement importante. Elle se retrouve principalement en France, parce que la France était le principal pays agricole d'Europe. Mais vous retrouvez la même chose en Allemagne, vous retrouvez la même chose dans d'autres pays d'Europe centrale. Quoique, eux, ils ont la différence des coûts. Et alors, cette question des coûts est extrêmement aggravée pour la crise française par cette fameuse directive Bolkestein,
Vous savez que l'on aligne les salaires sur les plus bas. C'est la fameuse histoire du plombier polonais dont vous aviez entendu parler. Et des pays comme l'Allemagne peuvent arriver à peser sur les coûts en faisant venir de la main-d'œuvre à bon marché d'Europe centrale, ces pays de la Bulgarie, la Roumanie et surtout maintenant l'Ukraine, où nécessairement avec des salaires de l'ordre du tiers de ceux qui sont versés en France, vous arrivez à damer le pion finalement aux agriculteurs français. Donc là encore, par la mondialisation, par le libre-échangisme débridé, on en arrive à créer des conditions de totale inégalité dans les conditions de production d'un pays à l'autre, et si bien que chaque pays perd son indépendance alimentaire. L'affaire ne date pas d'hier, puisque des pays comme l'Égypte, qui étaient quasiment autosuffisants, se sont retrouvés très vite en situation de dépendance étrangère, lorsque sous le colonisateur anglais, au lieu de produire du blé dans la vallée du Nil, on leur a fait produire du coton. Donc effectivement, l'Égypte est devenue un gros exportateur de coton et aussi un gros importateur de céréales. Donc vous voyez, la mondialisation est une cause extrêmement importante de la crise agricole que nous connaissons actuellement. Il y en a une autre, c'est tout simplement le fait que la mécanisation à outrance de l'agriculture et surtout la recherche au productivisme pour faire baisser les coûts, la chasse au profit, l'industrialisation de l'agriculture. Sa marchandisation, on conduit progressivement à transformer les paysans en OS de l'agriculture au service de gros groupes agro-industriels dont ils sont dépendants à la fois pour les semences, pour la vente des produits, pour ce qu'ils doivent planter et autres. Et puis sur le marché mondial, il y a aussi la basse économie chinoise qui fait que... Les bas coûts chinois. Mais la Chine, elle, pour ce qui concerne l'agriculture, essaye de s'en sortir déjà... Sur son sol, et à forte affaire, il y a beaucoup de monde à nourrir. Vous avez un pays comme le Japon, lui qui n'est pas tombé dans ce travers, et qui s'efforce toujours de conserver son autosuffisance en riz. Alors les économistes patentés cessent de dire « Oui, mais les prix du blé au Japon sont trop élevés, si le Japon était ouvert à la concurrence, le consommateur y gagnerait, et autres. » Oui. C'est une vision très partielle et très partiale, parce que une grande partie des rizières au Japon serait abandonnée, une partie du territoire japonais serait vidée de son monde, et tout simplement pour gagner quelques sous sur le prix du kilo de riz, en rendement rapide, mais on ne voit pas de l'autre côté les surcoûts que provoquerait la désertification de certaines provinces du Japon et puis la prise en charge ou l'appauvrissement de populations entières. Donc lorsque l'on parle de crise agricole, c'est effectivement ce problème de... Oui, c'est de genre... Ces gens deviendront des assistés ou alors voilà. Ils devront se réorienter totalement. Oui, c'est sûr. Voilà. Donc il y a une mauvaise condition. Voilà. Et alors il y a un problème extrêmement grave dans la crise agricole dont on parle très peu. Si les écologistes en parlent, enfin certains écologistes, les vrais, c'est la destruction des sols par la mécanisation et l'utilisation d'engrais de plus en plus importants. Je ne sais pas si vous aviez prévu qu'on en parle, mais, oui. On en parlera peut-être tout à l'heure. Oui, on pourra peut-être en parler tout à l'heure. Mais c'est extrêmement grave parce que... Pas de baisse de qualité de l'alimentation et des sols. La destruction des sols, donc on met en danger l'avenir des générations à venir. Voilà. Mais...
Et d'ailleurs, chez agriculteurs et éleveurs, comme il y a de mauvaises conditions, on voit tout de même des manifestations d'actualité, notamment autour du salon de l'agriculture ou des choses comme ça. Alors, effectivement, les éleveurs. Alors, la condition des éleveurs et des céréaliers est tout à fait différente. Les céréaliers, effectivement, ont un niveau de vie supérieur à celui des éleveurs. Il était, en gros, c'est presque, grosso modo, du simple au double, bien souvent. Grosso modo, du simple au double. Et la vie des éleveurs est beaucoup plus difficile que celle des céréaliers. Parce que les animaux, il faut que vous vous en occupiez 365 jours de l'année, tandis que les céréales, une fois que vous les avez plantées, vous avez semé, bon, vous avez des périodes de tranquillité jusqu'au moment où vous faites de l'entretien et puis vous les moissonnez. Mais aujourd'hui, le problème est extra. La crise de l'agriculture se manifeste, il faut le dire, par le fait que le suicide est la troisième cause de mortalité chez les agriculteurs. La deuxième, je crois que ce sont les cancers liés à l'usage de pesticides, notamment chez les vignerons. Et le troisième, c'est quand même le suicide. Donc, si les agriculteurs en arrivent à se suicider, c'est tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à vivre de leur travail. Récemment, une étude a montré que le revenu moyen de 30% des agriculteurs net était de 350 euros par mois. Même pas le SMIC. On est très loin. Ah oui, c'est même en dessous du RSA, donc Voilà, c'est bien fort. sûr. C'est même en dessous du RSA qui doit être à combien? 500 par là. Oui, à peu près, à peu près. Ça doit dépendre des gens. Ça doit dépendre des gens et puis des jours, selon les jours, les mois de 30 jours ou 31 jours avec le RSA. C'est ça. Et donc, comment pouvez-vous vivre avec 350 euros par mois, surtout que vous ne faites pas la semaine des 35 heures? C'est souvent 60-70 heures de travail. Personnellement, je connais beaucoup d'exploitants agricoles qui n'arrivent à survivre que parce que leur épouse travaille à l'extérieur ou dans un supermarché ou alors le mieux dans un bureau ou en tant qu'institutrice ou même fonctionnaire des impôts. Ça, j'en connais, c'est le clou, si l'on peut dire, l'épouse qui travaille dans les services fiscaux pour mieux contrôler le mari. Parce que quand on parle aussi de crise agricole, il faut dire qu'il y a un véritable flicage des agriculteurs dont on ne parle pas, mais quelque chose d'absolument scandaleux. Les agriculteurs, leurs parcelles sont surtout c'est-à-dire la quasi-totalité, qui vivent des subventions bruxelloises, voient leurs parcelles surveillées par satellite, leur surface corrigée tous les ans. C'est quelque chose de terrible. Lorsque vous voulez creuser des fossés ou drainer, vous avez besoin de moult autorisations qui remontent quasiment jusqu'à Bruxelles. Et vous avez après un fonctionnaire qui vient contrôler vos travaux, parfois même avec le pistolet à la ceinture. Oui, non, mais je parle en connaissance de cause. Et avec ces lentes démolitions depuis quelques décennies, déjà, vous dites même que l'État, limite, projette de supprimer les sols français. Alors, justement, l'exploitation. Justement, la destruction de la paysannerie française est quelque chose qui a été programmé depuis très très longtemps. Alors, on a brocardé dans les années 1900-1930 cette paysannerie française qui était arriérée, qui vivait encore, on aurait presque dit, comme au Moyen-Âge, ce qui n'est absolument pas le cas, parce qu'il y a eu des progrès énormes qui ont été faits, j'en parlerai, et qui vivait à l'abri des tarifs Méline, ces tarifs de protection agricole qui avaient été mis en place par Jules Méline dans les années 1890 et qui ont effectivement permis à la population française de continuer à rester à vivre dans les campagnes d'une manière à peu près correcte. Mais vous aviez des petites exploitations de 5-6 hectares, parfois moins, avec le paysan qui avait 5-6 vaches, et parfois moins aussi, qui les emmenait au pré, qui les ramenait, qui les trayait. Enfin, ils ne vivaient pas totalement en autarcie, mais les gens vivaient assez bien. Il y avait une lente mécanisation qui se faisait. Lorsque l'on dit que la France était en retard, on a quand même été parmi les premiers à inventer des tracteurs. Il y avait jusque dans les années 50-60, on avait les SFV, ce qu'on appelle les Vierzon, les usines de Vierzon. Vous avez les Vendeuvre, vous avez les Pugna, vous aviez les
faucheuses moissonneuses, les brodes. Vous aviez énormément de... La France était extrêmement productive et créatrice en la matière, comme elle était d'ailleurs en industrie mécanique et dans de nombreux domaines. Mais la paysannerie pouvait vivre. Mais il y a un inconvénient lorsque vous avez une population paysanne. C'est que cette population est enracinée. Mmh, une population enracinée défend becs et ongles son sol, défend sa terre, elle sait d'où elle vient, elle veut le conserver et le transmettre aux autres générations. Et dans les années 50-60, avec la politique agricole comme la PAC là, de Bruxelles, et puis avec la politique de Pisani, décédé récemment, c'était un Maltais d'origine, on a détruit toute cette paysannerie. Alors les paysans et les fils de paysans, plutôt que de vivre à la terre, sont venus vivre déracinés dans des HLM en travaillant comme OS dans des usines. C'est ça. Voilà. C'est un peu l'accomplissement du projet. Il y avait BHL, même Kouchner, quelques-uns, qui disaient « Cette France des bérets et des bignous, nous la haïssons. » Exactement, voilà. Mais ces gens-là, nous les haïssons, évidemment. Et aujourd'hui, le poids des agriculteurs devient quasiment négligeable. Vous avez à peu près 5 à 600 000 agriculteurs en France, dont certains qui n'arrivent même pas à vivre de leur travail, comme je le disais tout à l'heure. Et vous avez une véritable déstructuration du territoire national. Quand vous allez dans les campagnes, dans un petit village, où auparavant vous aviez 20 à 30 petits exploitants agricoles, aujourd'hui vous en avez un ou deux. Oui, donc là vous faites référence à l'exode rural. À l'exode rural, oui. Mais ça fait partie aussi du problème de la crise agricole. Oui, le fait que les gens habitent tous dans les villes. En fait. Voilà. Il y a un déracinement des populations avec une désertification du territoire qui a un coût. Parce que lorsque vous avez des territoires qui sont en grande partie inoccupés, ils demandent quand même un certain entretien, parce que le réseau rural, routier et autres subsistent. Vous avez à desservir les gens en services postaux et autres, quoique on est en train de les supprimer un petit peu partout. Vous avez les coûts sanitaires des populations. Il faut quand même soigner ces personnes à la campagne. Aujourd'hui, je vois, vous avez quelqu'un qui est malade, on envoie un hélicoptère. Si c'est oui, ça passe ça. Oui. Il n'y a plus d'hôpitaux à disposition parce qu'ils sont surendettés aussi. Il y a un problème de... Les paysans. Les hôpitaux eux-mêmes. Les hôpitaux eux-mêmes, oui. Parce qu'avant, le docteur pouvait aller chez la personne, voilà, enfin, notamment les accouchements. Et ça. Oui, et vous avez une désertification totale de la France, qui est un appauvrissement. Alors, ça n'entre pas dans la comptabilité publique, ça n'entre pas dans les comptes nationaux, mais c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est un appauvrissement, disons, du patrimoine national et de la richesse de la France. Je rappelle que le PIB, il n'est pas calculé sur la richesse produite, mais sur la dépense. Donc autrement dit, plus vous dépensez, c'est l'exemple qui était pris souvent, quelqu'un passe, il casse une vitre, on appelle le vitrier pour la remplacer, ça y est, ça crée une richesse. Bon, voilà, donc c'est extrêmement grave ce qui se passe actuellement. Et aujourd'hui, la paysannerie avec 5 ou 600 000 agriculteurs, eh bien, ne pèse quasiment plus dans le pays. Alors on la voit une fois par an au salon de l'agriculture à Paris. Et maintenant on aura même plus Chirac pour taper le cul des vaches. qui faisait encore démagogique. Et en plus c'est encore salon de l'agriculture, pour avoir sa place, il faut pas être un petit agriculteur. Il faut pas être un petit agriculteur, non. Et d'ailleurs là sur le fait du paysan dont vous disiez qui vit sa terre, etc. Là, finalement le fait de parler d'agriculteur, c'est déjà une destruction. C'est déjà une destruction, effectivement. On parle que de la technique là. On parle que de la technique. Mais c'est dire qu'un paysan, enfin dire on parle d'agriculteur en France, c'est déjà un déracinement, c'est déjà dévaloriser le métier de. Enfin, le paysan, parce qu'un paysan, il y a pays dedans. Mmh. Il y a l'enracinement, comme je disais tout à l'heure. Il en vit, oui. Il en vit. Là, ça fait juste, je choisis ce travail comme j'aurais pu choisir un autre. Un agriculteur, c'est un technicien qui se trouve implanté là pour cultiver une terre. La cultiver, je dirais, j'ose même pas employer le mot de cultiver, je dirais pour en tirer le maximum de profit financier. Mmh. Oui, c'est ça, oui. La marchandisation c'est la marchandisation du sol, la marchandisation du paysan. Vous dites le modèle des vainqueurs anglo-saxons, libéral et tout ça. Voilà, oui, on transforme l'agriculture, la production agricole,
en quelque chose d'équivalent à la production d'un tonne d'acier, quoi. Mmh. Voilà. Alors, les produits du sol, il y a le terroir qui joue, il y a la qualité du sol, il y a... le fait de manger, on en vit, le fait de manger, on en vit. C'est extrêmement important. Et vous avez en plus, avec cette destruction de l'agriculture, vous avez la suppression des circuits courts agricoles qui permettaient une vie de proximité. Aujourd'hui, l'agriculteur, il dépend des semenciers d'un côté, des groupes agro-industriels, et il dépend de l'autre côté des grands groupes de distribution. Il est coincé entre les deux. Il y a un peu ça pour le cas d'un éditeur, c'est vrai, il doit avoir le contact avec un diffuseur et également un imprimeur. Oui. Et oui, c'est vrai qu'il faut... Donc aujourd'hui, le paysan est en gros pris entre le paysan, l'agriculteur. est pris en gros entre le marteau et l'enclume. Avec les prix de production plus chers que... Le seul de la vente, je crois qu'on en a parlé au tout début. Donc, question suivante. Pouvez-vous établir un constat sur les nouvelles méthodes de travail? Alors, les méthodes nouvelles de travail, bien, ça rejoint un peu ce que je disais. Le paysan est transformé en OS de l'agriculture. Il doit obtenir les rendements les plus élevés. Donc, pour cela, il doit utiliser des semences à haut rendement. Il doit éventuellement et même souvent utiliser des pesticides pour éliminer les mauvaises herbes, pour éviter les maladies, les bactéries et autre chose. Ce qu'on appelle les OGM et tout ça. Alors, les OGM en font partie. En font partie, oui. Et en plus, il doit se mécaniser à outrance. Il doit se mécaniser à outrance. Et les paysans dans leur ferme maintenant ont facilement deux, trois tracteurs, mais quand vous connaissez le prix d'un tracteur, c'est énorme. Hein. C'est dans les, que je ne dis pas de bêtises, dans les 40 000 euros, quelque chose comme ça. Ah bon? Ouais. Ah oui. C'est très cher. C'est extrêmement cher un tracteur. Et sous prétexte de quantité aussi de production contre la qualité finalement ou... Ah ben, en général contre la qualité. Mais est-ce que ça marche déjà niveau quantité ou... Au niveau quantité, alors pour le moment ça marche encore, mais à un coût extrêmement important, c'est-à-dire qu'à chaque fois il faut apporter de plus en plus d'engrais pour les sols. Ah oui, parce qu'ils sont atteints. Ils sont atteints. Et on en arrive avec cette façon de faire à détruire les sols. À détruire les sols. Aujourd'hui, la couche argilo-humique qui permet la création des bactéries et qui crée l'humus qui permet de faire pousser les plantes devient de plus en plus mince et de plus en plus difficile à reproduire. Vous avez des labours de plus en plus profonds. Ces labours de plus en plus profonds empêchent le renouvellement de l'humus. Vous en avez même qui arrive quand vous avez des socs qui vous font monter des cailloux, qui retournent le sol complètement, ça ne va absolument pas. Et on utilise des méthodes destructrices des sols, et en même temps en développant la monoculture, comme on est en train de le faire un petit peu partout, on empêche en même temps ce renouvellement des sols. C'est dans les régions de montagne, que l'on spécialise uniquement dans l'élevage et desquelles on élimine toutes les cultures vivrières, vous préparez le retour des tourbières, le retour de ce qui se passait auparavant, de sols incultes, tout simplement parce que vous les transformez en... Vous empêchez la vie agricole, la vie du sol. Oui, donc il n'est plus exploitable après. Voilà, par exemple, il y a une technique qui existait dans le temps, c'était le marnage des sols. Aujourd'hui, ça a totalement disparu. D'ailleurs, dans le vocabulaire français, dans l'argot courant, on disait il faut marner. Autrement dit, il faut travailler dur, parce que le marnage était un travail extrêmement dur. Il fallait aller chercher ces marnes, ces sortes d'argile assez loin, il fallait les répandre dans le sol, c'est lourd, c'est difficile. Et aujourd'hui, l'agriculture est aux mains des gros groupes agro-industriels
qui... Avec la complicité des États, c'est ça. Avec la complicité des États, et en l'occurrence en Europe, de l'Union européenne. De l'Union européenne. Vous avez notamment, alors tous ces gros groupes agro-industriels font de la propagande, c'est-à-dire de la pression un petit peu partout, ce qu'on appelle du lobbying, en très mauvais français, mais c'est bien le mot. Vous avez par exemple des groupes comme BASF, comme Bayer, qui d'ailleurs a fusionné récemment avec Monsanto. Oui. Cargill, Coca-Cola, Kraft Food, enfin, Nestlé, Unilever, vous voyez tous ces gros groupes de distribution, de production de semences, qui ont créé en 1978 à Washington un groupe de pression mondiale, l'ILSI, International Life Science Institute. Tout simplement, oui, pour influencer les normes industrielles, les règles économiques qu'ils mettent en place. Alors, ils font de l'antichambre à l'OMC, à la FAO, et même dans le cas de l'Union européenne, ils trouvent le moyen d'émarger au budget de la politique agricole de l'UE en tant que conseiller. Alors, c'est extrêmement facile. Ce sont eux qui, en quelque sorte, en grande partie, édictent les normes de production. Donc autrement dit, ce sont eux qui imposent leurs règles à leur profit et à leur bénéfice. Par exemple, vous avez l'IFBIC qui est à Bruxelles, International Fund of Technology Committee, qui a pour principe de soutenir le développement et l'harmonisation mondiale des biotechnologies. Donc ce sont des gens qui édictent des règles et qui vous amènent sur le papier des analyses, des études, vous prouvant que leurs techniques sont les bonnes, sont les meilleures, et vous voyez cet effet par tel et tel laboratoire, par telle et telle chose. Oui, la seule chose, c'est que les laboratoires appartiennent à leur propre service. Vous avez des sociétés écrans, vous avez des différentes qui donnent une apparence d'indépendance, mais en réalité, ce sont eux-mêmes qui font qui sont à la fois juges et parties. Et vous avez à l'Union européenne même des gens qui sont alternativement fonctionnaires de Bruxelles et employés de ces groupes agro-industriels. Ils n'ont jamais travaillé une terre de leur vie, c'est faux d'ailleurs. Non, ils n'ont jamais travaillé une terre. D'ailleurs, pour eux, la terre ne doit pas signifier grand-chose. C'est tout simplement une matière à faire du profit. Donc il y a d'un côté celui qui connaît son travail, ou voir son mode, c'est son mode de vie, carrément. Et là, il y a l'Union européenne, en fait, qui un beau matin toque à sa porte et dit « Ah non, mais il ne faut pas utiliser la pioche comme ça. Regardez mon petit document. Hein. » Voilà, vous devez faire comme ci, et vous devez faire comme ça. Et alors, le pire, c'est que vous avez des normes de production, des normes d'activité qui sont édictées directement par le ministère de l'Agriculture. Aujourd'hui, on arrive quand même à un scandale, un scandale dont on ne parle jamais, c'est que vous avez trois fonctionnaires qui s'occupent d'agriculture pour un agriculteur. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Tant de fonctionnaires que d'agriculteurs. Alors, où est le bénéfice pour le pays? Il vaudrait peut-être mieux avoir un fonctionnaire pour trois agriculteurs avec des exploitations plus petites, qui produisent avec des règles plus respectueuses de la nature et des sols. Je pense qu'on s'y retrouverait tous. Ça va devenir l'objet, on va le développer. Voilà. Avant, je voulais vous demander qu'est-ce que vous pensez de l'initiative personnelle, un peu de retrouver, bah, pas forcément un champ, mais au moins son petit jardin et de pouvoir cultiver soi-même. Il y en a qui en font toute une doctrine, ça s'appelle le survivalisme. Je parle pas forcément de ça, mais en tout cas, au moins que toute famille ait... un peu comme dans les années 50, il me semble. Dans les années 50. Alors oui, effectivement, dans les années 50, il y avait encore beaucoup de populations ouvrières et qui venaient des campagnes et qui avaient besoin de faire leur jardin, de produire leurs légumes, leurs tomates. Ça existait encore. Et croyez-moi que, je connais l'affaire, pour cultiver votre propre jardin, vous avez des produits d'une autre qualité. Hein. Les tomates, les haricots, les petits pois, les salades...
Oui, c'est vrai, quand on a soi-même, comme on a un peu tous des origines de la campagne, moi aussi je connais ça, c'est vrai que c'est pas non plus le produit de supermarché. Non. Il n'y a pas besoin de le saler presque, Non. c'est Et différent. la qualité des pommes de terre, ce sont des pommes de terre à la chair ferme, qui ont une saveur que vous ne trouvez pas dans la pomme de terre de supermarché, d'ailleurs, qui bien souvent, quand vous l'épluchez, pisse l'eau. Puis qu'il y a des oreilles bizarres. Ouais, à inspecter, mais on ne va pas demander à l'Union européenne d'inspecter ce produit. Mais lorsque je parle de. Je voudrais terminer sur un autre point qui est extrêmement important. C'est lorsque l'on parle de ces groupes de lobbying qui imposent leurs règles et leurs normes, il y a une chose extrêmement grave, c'est l'histoire du Codex Alimentarius. Alors, c'est un beau nom, un nom savant, un nom latin. Autrement dit, c'est le Code alimentaire. C'est en fait un programme de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation, la FAO, et l'Organisation Mondiale de la Santé, qui constitue un recueil de normes, de codes d'usage, de directives et autres recommandations qui sont relatifs à la production et à la transformation des agroalimentaires des productions agricoles. Et alors, l'objectif évidemment affiché, c'est très altruiste, c'est assurer la sécurité alimentaire des aliments. Mais seulement, ce codex, il est fait en grande partie par les mêmes personnes dont oui, je viens de parler. Bien sûr, bien sûr. Alors, et ils apportent tout fait aux États, disons des normes de production, des règles alimentaires, des règles d'hygiène et autres, que les États trouvent bien facile tout de suite à transformer en loi. Oui. On le ramène sur un plateau, vous n'avez même plus besoin de réfléchir, c'est du prêt à penser, du prêt législatif. Ouais, il y a plus de 4000 décrets ont déjà été pris en Europe là-dessus. Ça, c'est le problème de l'étatisme, des fois aussi. Et voilà. De faire et alors, ce fameux codex, par exemple, j'ai relevé ça, il permet au moins d'utiliser 8 pesticides normalement interdits. L'aldrine, le DDT, le polychlorobiphényl, l'andrine, la dieldrine, l'hexachlorobenzène, le chlordrane. Et en plus, ce fameux codex recommande pour le bétail de le traiter aux antibiotiques et aux hormones de croissance, dont on entend par ailleurs que ce sont des choses extrêmement dangereuses. Mais effectivement, lorsque vous avez des fermes industrielles, comme on veut créer en France, on a parlé un temps, la ferme aux 1000 vaches en Picardie, 1000 vaches, vous vous rendez compte? 1000 vaches. Le plateau des 1000 vaches. Oui, mais là, plateau des 1000 vaches, c'est 1000 vaches sur le plateau. 1000 vaches, d'ailleurs, l'origine du mot, ça viendrait de 1000 basses, qui veut dire les 1000 sources. C'est pour l'étymologie la plus retenue. Mais effectivement, lorsque vous avez des élevages, on peut dire hors sol, il y a effectivement des animaux qui ne sortent jamais. Ou alors, dans d'autres cas, des animaux qui sont toute l'année, hiver comme été, aux intempéries, ils attrapent des maladies et puis il faut les vacciner. Dans le temps, le paysan rentrait ses bêtes. Là, il reste dehors. Mais dans les serres, il y a aussi les serres clôturées avec du chauffage aussi, forcément. Et voilà, bah oui. Oui, il y a toutes ces technologisations. Voilà, technologisation, et puis l'Organisation mondiale de la santé dont vous parlez sont à l'origine d'autres problèmes, qui est notamment l'enseignement de génitalité dans les écoles de primaire et tout ça. Ce sont encore une fois les mêmes qui, au nom de la santé, nous font des trucs un peu bizarres. Ah ben bien sûr, oui. Bah, il faut déjà formater le cerveau des personnes de l'enfance. Hein. De l'enfance. Donc l'affaire est, de ce côté-là, ce fameux codex alimentarius, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux, d'extrêmement grave, parce que ça régit, à la fin, ça finit par régir, disons, tout ce que l'on mange. Tout ce que l'on mange. Et à partir de là, vous avez des interdits qui sont faits, par exemple, sur tel ou tel produit que vous ne devez pas manger, ou alors utiliser telle ou telle graine. On parlait des règles imposées par tous ces groupes de pression agroalimentaire. Vous avez eu, je crois que ça, on a parlé plus pendant un temps, mais ça subsiste toujours le problème, l'affaire de Cocopelli. Ce sont des graines, c'est une association de personnes qui ont entrepris de créer un conservatoire des graines et des semences traditionnelles
et d'essayer de les vendre et de les développer. Aussitôt, on leur est tombé dessus, on leur a fait un procès pour vente de faux, pour... voilà. Et aujourd'hui, alors que vous aviez, je crois, une centaine de variétés de petits pois, regardez bien dans, chez les graintiers, vous en avez 5 ou 6 maximum. Et toujours vendu par qui ? Par les mêmes. Vous n'avez pas le droit, grâce aux réglementations mises en place par, par tous ces gens-là, ou à la demande de ces gens-là, vous n'avez pas le droit de vendre, par exemple, des tomates qui viennent de telle et telle variété que vous avez cultivée dans votre jardin. Il y a un an ou deux, il y a un brave homme qui s'était présenté sur un marché avec ses tomates et qui est produite selon, par ses soins et selon une variété ancienne, entouré de gendarmes qui l'ont traité comme un malfaiteur. Bien plus qu'il y a comme un voleur à la tire. Non, il faut voir qu'aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de dire une chose, l'agriculture est l'otage d'un grand banditisme agroalimentaire, tenu par quelques groupes. Et effectivement, le travail des nationalistes est de dénoncer tout ça, et de vouloir inciter à rétablir une véritable écologie. C'est-à-dire, la véritable écologie, c'est l'homme qui vit en respectant les règles de la nature, et non pas en les transgressant. Justement. Que doit-on faire pour reprendre le monde agricole en main ? Pour reprendre le monde agricole en main. Reprendre le monde agricole en main, alors ça prend plusieurs aspects. Ça prend déjà les sols. Ça prend ensuite le rétablissement d'une paysannerie conséquente sur le sol national, et ensuite contrôler les circuits de distribution. Alors ça, c'est un peu ce qu'a fait le régime de Vichy, pourrait-on dire d'ailleurs, en France durant l'entre-deux-guerres, le rétablissement de l'agriculture et du travail des sols, notamment par les chantiers de jeunesse. Effectivement, le maréchal Pétain et son entourage avaient parfaitement compris que la substance d'un peuple, c'était sa population enracinée, son terroir. D'ailleurs, il y avait sa phrase célèbre, « La terre ne ment pas ». Oui. Et la population qui... Enfin, on n'avait pas le problème d'habitation dans les campagnes. Là, c'était pas assez peuplé, disons. C'était assez peuplé. Effectivement, ce qu'il faut, c'est... Alors, première chose, rétablir des règles de production respectueuses des sols. Ces techniques existent. Ces techniques existent déjà, c'est-à-dire que c'est déjà employé dans de nombreux endroits. Plutôt que de labourer profondément comme on fait aujourd'hui, qui détruit toute la vie bactérienne, eh bien, entre les récoltes, vous plantez des plantes fourragères que vous laissez monter. Alors, chez nous, ça va faire 50 cm, dans des pays tropicaux, ça peut monter à 2 mètres, et ensuite, vous les écrasez. Vous les enfouissez et ça recrée la structure argilo-humique du sol de manière naturelle. Donc les sols pollués peuvent être récupérés. Ils peuvent être récupérés. D'accord. De cette manière-là, mais au bout d'un certain temps. Et ça évite effectivement le lessivage des sols. D'accord. Le lessivage des sols. Aujourd'hui, vous avez des sols dans la Beauce, avec le poids des tracteurs et autres. À une certaine profondeur, à un mètre de fond, vous avez une sorte de couche bétonnée qui empêche l'eau de descendre, qui provoque des remontées de nitrates. Ce qui fait que lorsque vous voyez des champs en période de pluie, c'est assez anormal. Vous voyez, d'un seul coup, dans une petite cuvette, de l'eau qui stagne, des mares. Mais c'est tout simplement parce que l'eau ne parvient pas à s'écouler. Donc, vous voyez, vous avez tout un ensemble de techniques qui existent, mais effectivement, elles sont très peu consommatrices d'engrais et ça rapporte très peu à certains. Alors ça, c'est déjà la mise en place de techniques d'agriculture respectueuses des sols, qui permettent d'éviter les pesticides, qui permettent de créer toutes ces industries chimiques. Alors, je ne dis pas qu'il n'en faut pas dans certains cas, mais on doit pouvoir s'en passer pour l'essentiel. Et vous avez des centres de recherche agronomique comme l'IRAB, qui est implanté notamment à Loriol du Comtat, à côté de Carpentras, dans le Comtat Fenaissin, qui montre comment on peut arriver à produire de l'alimentation saine, avec des rendements conséquents, sans utilisation de produits chimiques. Alors ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est en réduisant l'activité, industrielle de l'agriculture, c'est
favoriser la réinstallation progressive de populations agricoles sur des territoires. Alors on va dire, mais vous régressez, vous retournez en arrière, puisqu'effectivement, on vous dit, la mécanisation, on supprime du personnel. D'ailleurs, dans les années à venir, vous risquez de voir dans les champs des tracteurs qui vont fonctionner tout seuls, et puis le paysan qui va être sur une tablette d'ordinateur à les télécommander. Bon, eh bien non. Vous pouvez rétablir, et des études ont été faites en ce sens, respectueuses des sols, respectueuses de l'environnement, qui permettent de rétablir des haies, des fossés d'évacuation, parce que les haies sont extrêmement importantes. Elles évitent l'érosion éolienne, elles fixent l'eau en profondeur, et vous arrivez à avoir des exploitations de 40-50 hectares, tout à fait viables, qui permettent de faire vivre les populations national mais aussi local. Ouais, il faut tenir compte de chaque spécificité régionale. Et à ce moment-là, vous arrivez, alors dans les circuits de distribution, à recréer des circuits de distribution courts, des circuits de distribution de proximité. Ce qui vous permet d'éliminer en grande partie les intermédiaires et des intermédiaires parasites. Bien souvent, le litre de lait, il est à, par exemple aujourd'hui, il est à 30 et quelques centimes vont acheter aux producteurs, et encore parce qu'ils se sont bagarrés au printemps pour qu'on valorise un petit peu les prix de vente de leur lait, et vous l'avez à plus d'un euro au supermarché. Entre-temps, vous avez eu pas mal d'intermédiaires qui se sont servis. Donc il y a toute une réorganisation des circuits de distribution qui doit se faire. C'est le rétablissement d'une juste économie entre production et vente. Oui, effectivement, il faut rétablir une juste production, un équilibre entre la production et la vente. Un problème qui existait sous la République de Weimar en Allemagne. Un problème, oui, effectivement. Effectivement, la République de Weimar, de ce point de vue-là, était en situation de crise agricole. Vous avez une paysannerie extrêmement endettée, qui n'arrivait pas à vivre du produit de sa terre, parce que les prix que l'on proposait à l'achat de ses productions étaient inférieurs à ceux du marché libéral et qui leur étaient proposés par les gros acheteurs. Et l'arrivée du gouvernement d'Adolf Hitler, en gouvernement national-socialiste, a permis de résorber la crise agricole. Alors, premièrement, on a créé une structure de désendettement, un fonds de secours, essentiellement pour les régions de Prusse, qui étaient les plus endettées, l'Osthilfe, qui a permis de rééchelonner les dettes et de les apurer, et ensuite mettre en place une politique d'orientation des prix qui a permis aux paysans de vivre sans subvention, mais avec le vrai prix de son travail, et ensuite avec une rationalisation des circuits de distribution. En éliminant les parasites. Alors effectivement, c'est toujours révolutionnaire. Aujourd'hui, même l'agriculture ne peut pas vivre. Et c'est tout à fait malsain lorsque le paysan, pour vivre, ce qu'il en reste, est obligé de vivre de subventions. On ne peut pas vivre de... La situation normale, chacun doit pouvoir vivre de son travail. Et un paysan doit pouvoir vivre de la juste rémunération de son travail. Alors, effectivement, dans un pays comme la France, comme l'Allemagne dans les années 30, il faut mettre en place un système de péréquation des prix, puisqu'on est une nation, on doit quand même à peu près équilibrer les prix sur l'ensemble du territoire. Il y a des régions qui sont défavorisées du point de vue agricole, et elles ne vont pas payer le fromage ou les carottes ou les tomates trois fois plus cher que d'autres régions comme la Normandie, par exemple. Vous dites développer des coopératives par rapport aux terres, c'est ça ? Et il faut développer des coopératives agricoles qui, elles-mêmes, pourront trouver des débouchés dans les villes et dans les agglomérations voisines. Mais tout ça, ça participe d'un programme à long terme de reconquête du territoire national. Puis ça fait penser à la subsidiarité où vous dites que l'État supervise et ensuite laisse le travailleur s'administrer. Voilà. Effectivement, l'État supervise, met en place les grandes orientations, supplée aux carences des personnes privées, parce que lorsque vous allez faire un travail comme ça, les choses ne vont pas se faire en 3 jours. Il va y avoir inévitablement
toujours des problèmes de, comme on peut dire, des difficultés imprévues qui vont surgir. Et là, c'est au rôle de l'État d'intervenir. Mais ce sont des choses qui doivent se mettre en place progressivement sur le long terme. Et tout à l'heure, on a parlé de mondialisation de l'agriculture. Lorsque l'on parle de réenracinement agricole en France et dans les autres pays d'Europe, il faut aussi penser à une autre vision de la mondialisation. Parce que la mondialisation, il faut le dire, il ne faut pas confondre mondialisation et mondialisme. La mondialisation, elle existe depuis les routes de la soie, depuis que les caravaniers à dos de dromadaires ou de chameaux traversaient l'Asie centrale et les déserts de Gobi, hein, ou même à travers le Sahara. Mais la mondialisation, elle existe. Les moyens de communication font que les échanges, les temps de transport sont raccourcis d'un pays à l'autre. Ça, on n'y peut rien. Ce n'est pas une mauvaise chose en elle-même. Mais par contre, ce qu'il faut, c'est permettre à chaque peuple de pouvoir vivre sur son sol, sur son territoire natal. La mondialisation ne le permet pas. La mondialisation, au contraire, considérant qu'un homme est équivalent à un autre, c'est le fameux homme abstrait de l'époque des Lumières, oui, et des droits de l'homme, eh bien, effectivement, on va transplanter un Malien dans la Beauce, et puis pourquoi pas un Auvergnat quelque part dans la forêt équatoriale de Guinée. Mais non, chaque peuple doit pouvoir vivre sur son propre sol, essentiellement de ses propres productions. Et je pense que pour la grande majorité des peuples, ils peuvent vivre au moins à 80%, parfois comme la France qui est quasiment à 100%, mais d'autres pays à 80% des produits de leur sol et de leur terre, pour peu qu'on leur laisse la possibilité de vivre. En Afrique, lorsque des expériences en ce sens ont été faites, elles ont été tout à fait concluantes. Alors effectivement, aujourd'hui, il y a une pression démographique extrêmement importante du fait de taux de natalité extrêmement important qui aggrave le problème ou qui le déforme. Mais tout doit être fait pour que ces populations puissent vivre sur leur sol. Et le commerce international de l'agriculture ne doit qu'être, en gros, en quelque sorte, que supplétif. Ne doit permettre que d'importer, de corriger les... Parce qu'il y a un manque de production. Un manque de production. C'est pour compléter. Voilà, bon, par exemple, si on aime bien les bananes, par exemple, ou les mangues, bon, on peut très bien concevoir qu'on les importe. Oui. Qu'on les importe. Et on va peut-être vendre à ces autres pays qui n'en ont pas du raisin. Oui, voilà. Voilà. Bon, mais ce sont des échanges normaux qui ont toujours existé. Alors, le commerce international, il existe, mais comme moyen de suppléer aux déficiences de chaque pays. C'est plutôt l'inverse, 80% d'échanges et 20% de production. Et 20% de production. Ouais. Donc, lorsque l'on parle de solutions pour la crise agricole, des problèmes agricoles, il y a les solutions nationales, mais aussi les solutions internationales. Ce qui veut dire que dans la situation où nous sommes aujourd'hui, c'est véritablement proposer un programme révolutionnaire, puisque l'on s'attaque au groupe établi. La situation établie. Bon. Et d'ailleurs, un pays comme la Russie, finalement, actuellement, gagne à vouloir être ostracisé par la planète entière, parce que justement, il ne veut pas passer sous les fourches caudines du magistère mondialiste, puisque avec l'embargo agricole qu'on a fait sur la Russie à propos de l'Ukraine, et peut-être bien et même actuellement à propos de la Syrie, eh bien, ils sont en train de développer leur propre agriculture, alors qu'ils avaient tendance à compter sur les importations. Donc, de ce côté-là, la Russie est gagnante. Il y a d'ailleurs un embargo anti-russe qui fait que... Voilà. Il me semble... Mais par contre, nos paysans, eux, en souffrent. Et à commencer même par les paysans polonais, qui vendaient beaucoup en Russie. Et alors, c'est une incidence sur notre crise agricole, et c'est symptomatique de ce qui se passe. Les paysans polonais n'arrivant pas, ne pouvant plus vendre en Russie, que font-ils? Ils se rapportent sur d'autres marchés, sur nos marchés à nous. Et comme leurs coûts sont inférieurs aux nôtres, eh bien c'est finalement le paysan français qui paye les pots cassés. Ouais, parce qu'il ne peut plus bénéficier de ce lien. Il ne peut plus bénéficier. Donc, autrement dit, vous avez beaucoup de paysans qui se trouvent en difficulté aujourd'hui du fait de l'embargo politique criminel vis-à-vis de la Russie.
Donc voilà pour la revalorisation agricole et les solutions d'une écologie authentique finalement, voilà. que certains gauchistes d'ailleurs parfois se tomberaient d'accord avec nous. Oui, c'est sur le terme de... Alors il y a leur terme de biodiversité, etc. Ils ont pas peut-être des expressions... Ils ont tout leur verbiage. Mais c'est le même projet en tout cas. C'est un projet analogue. De ce côté-là, vous avez José Bové qui en tant que député à Bruxelles, au Parlement européen, a fait du bon travail en dénonçant justement lui-même en étant étonné de ce qu'il voyait de tous ces liens entre les groupes agro-industriels et les fonctionnaires de Bruxelles. Il dénonce d'ailleurs toutes ces choses-là. Bon, diable porte-pierre. Hein. Et d'ailleurs, dernièrement, pour parler de José Bové, c'est une petite anecdote, il s'est vu interdire l'entrée au Canada parce que c'était un prix de justice. Vous savez pourquoi? Oui, parce qu'il avait fauché des champs OGM. Oh là là, oui, d'accord, oui. C'est attaqué à un champ OGM. Vous savez, c'est comme s'attaquer à certaines vérités historiques, peut-être s'attaquer au champ OGM. C'est s'attaquer à une pierre sacrée du système, hein, puisque les OGM permettent de rapporter beaucoup d'argent à l'avenir. Ce qui importe, c'est de transformer tout en valeur marchande pour créer des marchés, créer des possibilités de commerce et des possibilités de profit. C'est la fuite en avant du système. Alors, revenir en arrière, enfin, ce que l'on peut appeler en arrière, disons, renverser la vapeur ou l'orienter autrement, sont des ou choses... guérir le corps malade. Guérir le corps malade, vous savez, c'est très difficile. Hein. Et c'est d'ailleurs comme en médecine. En médecine, bon, c'est une incidente, mais la médecine cherche plus à soigner les maladies qu'à les prévenir. Et je pense que si on avait une alimentation saine, alors peut-être que les aliments coûteraient certainement un peu plus cher que ce que l'on a aujourd'hui, mais les retours qu'il y aurait à terme sur la santé feraient que les dépenses hospitalières diminueraient fortement et que tout le monde s'y retrouverait, sauf évidemment le PIB, puisque, comme je vous disais, il est fondé sur la dépense. Plus vous dépensez, plus votre PIB croît. Moins vous dépensez, plus le PIB diminue, plus vous êtes pauvre. Donc il y a tout ça à régler, à tenir compte. Quoi. Voilà. Bon, très bien, donc merci pour votre traitement de l'agriculture. Merci Monsieur Gandillon. Merci Blandine, merci Florian. Dans les prochains entretiens, on abordera d'autres sujets comme la France, les Europes et l'Occident, nation, nationalisme, universalité, la France contre les robots, le réchauffisme et le climato-sceptisme, l'économie orientée nationale-socialiste, etc. Pensez à suivre notre chaîne et à vous abonner à un militant. Alors, l'abonnement à militant, abonnement d'essai, 25 euros pour 6 mois. Et abonnement normal, 59 euros, 11 numéros pour un an. Et il faut écrire à la boîte postale 154 75 463 Paris CEDEX 10 ou alors aller sur le site journal-militant. Ou revue-militant. Revue-militant.fr.